Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Changement de plan, on est presque arrivés. Oh, Grise. Ouais? J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Attends. Je sais que tu vas la voir, cette Holocron. Très bien, tu t'en souviens? Tu m'accompagnes? Oh non, non, certainement pas, non. Tu sais, je voulais seulement te dire que ces gamins qu'on espère trouver, ils ont de la chance de t'avoir. De la chance de nous avoir. C'est un travail d'équipe, Grise. Je vais pas te mentir, j'espérais vraiment que tu dirais ça, parce que, tu sais, il va leur falloir plus que des tours de magie. Ah oui? Ils ont besoin de concret, il leur faut un modèle, quelqu'un qui les inspire. Piloter un vaisseau, c'est tout un art, tu sais. Enfin, on verra si je reste dans le coin. Je m'en souviendrai. Bien. Bien. Tant mieux. Bonne chance, l'ami. Tout se passe bien avec Mérine? Ah oui, elle me fiche encore la trouille, rapport au réveil des morts et tout ça. Mais tant qu'elle me tue pas... Aucun risque. T'inquiète pas. Ouais, celle-là, tu me l'as déjà faite et... Et tu es toujours en vie? Pour l'instant. Il t'arrivera rien, Grise. On est tous dans le même bateau. C'est marrant que tout ça se termine où tout a commencé. Ah oui. Je me souviens de la première fois qu'on est venu. Je l'ai déjà dit, mais je pensais vraiment pas que t'étais... Un Jedi? Ça, je dis pas, mais je ne pensais pas que t'étais notre gars. Et maintenant? Maintenant? Jedi ou pas, tu l'es. Tu sais, je pige toujours pas le coup de la force. Mais ce dont je suis sûr... C'est que toi, t'es un petit gars solide. Merci. Toi aussi. Ouais, c'est vrai. Je fais plutôt jeune pour mon âge. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complexe. Son pouvoir ancestral émane de l'ombre. Bogano a l'air plus simple. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Efo y ont bâti leur sanctuaire. Là où se trouve l'Holocron. Caché. Où veux-tu en venir? Cette planète est restée presque intacte pendant des siècles. Les vies que tu veux protéger étaient-elles vraiment menacées avant que tu interviennes? On est clairement plus sur Datomir, là. Non, effectivement. C'est comme tu l'imaginais? Je veux dire, le reste de la galaxie. C'est si grand. Je réalise que ma vie sur Datomir était... restreinte. Ça m'a fait pareil quand j'ai quitté Braca. Le monde peut sembler petit quand on vit dans le passé. Je pense que je vais me plaire à bord du Mantis. Les Jedi que nous formerons contribueront à bâtir une galaxie qui préserve des endroits comme celui-là. Est-ce que ce sera leur choix ou le tien? On a besoin les uns des autres. Sans les Jedi, pas sûr qu'on survive. Il est de notre devoir de les protéger. J'ai compris, oui. Les Jedi devraient moins parler et agir davantage. Cal, tu as une seconde? Tu as beaucoup appris pour en arriver là. Mais le sanctuaire reste un mystère. Cordova y a caché l'Holocron. C'est tout ce qui compte. Je dois aller le chercher.
L'épreuve de Cordova pour le défendre est périlleuse. Vous avez peur pour moi? Je ne veux pas être seule à former tous ces novices. Ça ira, Céré. Et puis j'ai BD pour m'aider. Je sais. Mais faites attention. Vous n'avez peut-être encore jamais rien vu de tel. Merci. Je suis prêt. Et BD aussi. Prenez soin l'un de l'autre. Vous êtes prête à affronter la suite? Oui. Et toi aussi. Je l'ai vu. Tu as beaucoup progressé, Cal. C'est grâce à vous. C'est gentil de me dire ça, mais je ne serai pas dans le sanctuaire avec toi. Si, vous serez là. D'une certaine façon. Contente de t'avoir trouvé, Cal. Bonne chance. Et n'oublie pas, réfléchis avant d'agir. Cordova a dû prévoir une épreuve qui n'est pas à la portée de tous. Que la Force soit avec toi. Vous vous souvenez quand vous m'avez amené ici la première fois? C'est impressionnant de voir ce que tu as accompli en si peu de temps, Cal. Oui. D'accord, mais on formera ces novices à ma manière. J'ai quelques idées pour leur éviter de mettre leur vie en danger. On ne forme pas quelqu'un à sa manière. L'envie d'apprendre doit être partagée. Merci. Merci pour tout. Je t'en prie. Un truc étrange. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que c'est l'astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention, BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. C'est parti, BD.
gigantesque holocron. C'est au niveau de ce mur. Ouais, allons voir. Je les guiderai sur la voie de la Force. Maître, qu'est-ce Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera? Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux.
J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Je vais me faire un plaisir de te tuer. Toujours en train de courir. Durer bien pire que ça. La fin est proche. La peur te submerge. Rien n'a pris. Toujours en train de courir. BD. J'ai besoin d'aide. Attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller.
Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous et Trilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Locron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai.
À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. Tu parles presque autant que le petit capitaine. Tu permets, j'essaie de me détendre. Cal m'a dit que vous étiez Jedi avant. Pourquoi avoir renoncé ? Dans un moment de faiblesse, j'ai fait appel au côté obscur de la Force. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui résister. Le côté obscur ? Ce côté de la Force se nourrit de la souffrance, de la peur, de la haine. Si on y fait appel, c'est souvent un aller sans retour. Les Sœurs de la Nuit savent canaliser la magie. On ne la laisse pas nous consumer. Eh bien, j'en suis ravie pour toi. Je veux dire, je pourrais vous apprendre ? J'apprécie ton offre. Mais tu dois comprendre qu'utiliser la Force reste dangereux pour moi. Je comprends. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire ? Un rituel, pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel ? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi ? Oh, une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel ? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague ! Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. Donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Quoi qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont nos chances selon toi ? Je mise sur toi, petit gars. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble ? Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord ? Prends l'holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure.
À la pluie ! Sonnez l'alarme ! Les Stormtroopers meurent au combat ! Non ! Finissons-en ! Je t'aurai ! Cal, tu es là ? Ouais. Content de vous entendre, Zéré. J'ai localisé l'Holocron. Je te communique sa position. Bien sûr. On se met en route. Tu peux la déverrouiller ? Vous le regretterez. Fièvre résistance.
pure. Incapable. Vous savez, j'ai dégagé le secteur, mais l'Empire m'a enfermé. Vous auriez une idée ? Cal, cherche une salle de contrôle. J'ai un plan. Je crois que j'en ai trouvé une. Impressionnant. Ce truc a besoin de courant. Et nage jusqu'au donjon central. Ça, c'est un sacré plan. On se retrouve là-bas. Bonne chance. On y va, BD. Cette section a l'air fragile. On vient à l'eau, BD. Accroche-toi. On se rapproche. Quelque chose bouge par là-bas. Abattez-le ! Frappez rapidement ! La cible bloque les attaques ! Éliminez-moi cet intrus ! Raté ! Allez, faut insister! Jedi touché! Attaquez l'intrus! Tu n'arrêteras pas! Notre porte à déverrouiller.
blessé. Dégâts subis. Je porterai ta vie. Suicide. Tu ne m'échapperas pas. Poursuivez l'offensive. Je n'échouerai pas. Hé, hey, BD! Steam! Je te briserai. Tu fais pas quoi? J'ai besoin d'aide, BD. Regardez son sang couler. C'est ça, un Jedi? Ne résistez pas. C'est la première fois que ça m'arrive. T'as quelque chose? Viens à moi. On est fini de toi. Allez, résiste, Jedi. Aidez, j'ai besoin d'aide. Oui, affronte-moi. C'est à moi. Être futile. Jedi tremble. Je te tiens. On débarrasse, il fait comme gêné. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Tu peux t'en charger, BD ? Le Jedi,
Il est dans l'est interrogatoire. J'ouvre le feu. Attaquez la cible. Il ne peut pas continuer éternellement. C'était le dernier. Cal, je suis tout prêt, mais un sas blindé me barre la route. J'essaie de trouver une console. Trouvé. Pas que ça te plaise. T'inquiète pas pour moi, nous avons une mission. Mais j'avoue, ça fait un bien fou de détruire cet endroit. Ils nous enfermaient dans cette prison. Je regrette qu'il n'y ait plus personne à sauver. Désolé qu'on ait dû revenir ici. Moi aussi. Mais nous n'avions pas vraiment le choix, non? Non, en effet. Allez, continuons. Oui, il est grand temps d'en finir. Aucun signe de Trilla? Non, pas encore. Le Locron est conservé dans la salle d'interrogatoire. C'est le lieu le plus sécurisé de la forteresse. Je t'ouvre la voie vers l'Holocron. Trouve l'Holocron. Je m'occupe des renforts et je te rejoins dès que possible. On dirait un turbolift. C'est notre porte de sortie. BD1. Merci d'être mon ami. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi avancé, même pour l'Empire. Torturés et convertis au côté obscur. Tu peux t'en charger, BD ?
te submerge. Tu vas t'effondrer d'un moment à l'autre. Arrête de bouger. Lance un steam. Tu ne veux pas gagner. BD. Cède à la douleur. Je sais tout ce que tu as traversé. Tu as connu une immense souffrance. Tu peux te délivrer de cette douleur. Délivrer ? C'est cette douleur qui me rend plus forte. Je savais que tu reviendrais pour ça. Pas de merci. Tu ne sortiras jamais de cet endroit vivant. J'ai hâte d'offrir ta tête acérée. Un steam BD. Steam.
vais me faire un plaisir de te tuer. Tu vas me payer cher. Par ici, Bédé. Comme j'ai souffert. Cal. J'ai l'holocron. C'est à moi de le faire. C'est fini, Trilla. Tu sais que rien n'est jamais vraiment ce combat-là est fini. Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur, mais chaque jour tu as le choix entre la nourrir et l'affronter. C'est trop tard, Céré! Non, c'est faux. Je sais que les choix que j'ai faits ont entièrement condamné ton avenir. Je t'ai abandonné, Trilla. Je t'ai abandonné. Et j'en suis vraiment désolée. J'ai eu tellement de haine envers toi.
crois qu'on l'a semé. J'y arriverai. Serré. Je continuerai jusqu'au bout. Tigre, tu me reçois? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Gris, je suis là. Je me dirige vers la surface. Prépare-toi. J'ai trouvé l'holocron. Mais Serré, elle ne reviendra pas à Gris. Serré? Fiche le camp d'ici, Cal. T'arrêtes pas, Cal. Je suis désolée. À l'holocron. Jamais je vous le donnerai. Nous verrons. Vous ne prendrez pas ces enfants. Tant de haine. Tu aurais fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça. Oui. La puissance du côté obscur. Serré. Je peux la sentir affluer en elle. Serré. Serré. Hé. Écoutez-moi. Vous avez le choix. C'était toi dans l'eau, pas vrai? Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Merci. Et maintenant? Eh bien, capitaine, tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Gris. Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous. En plus, je risque de manquer au petit. Que va-t-on en faire? On va s'en servir. Pour reformer l'ordre Jedi. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire la peau, comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous.
Leur avenir doit être confié à la Force. Alors, où allons-nous ?